Ok, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va tout simplement déterminer si, à l'aide d'une fonction, ok, on va déterminer si les points appartiennent bien au graphe de la fonction. Le point, qu'est-ce que c'est? Le point, il est défini par ses coordonnées x et y. Donc, x et y, en fait, y dans notre cas-ci, c'est f de x. Donc, on va tout simplement essayer de démontrer que pour x, bah, son y est juste avec f de x. Je m'explique. Pour vérifier, si le point A appartient à f de x. Bon, on va déterminer si la fonction de 0, c'est bien 1,5. D'accord ? Et donc, fonction de 0, on a 0,5 fois donc f de 0 qui est égal à 0,5 fois, et donc x plus 1, donc 0 plus 1 au carré moins 2. D'accord ? Ça nous fait quoi ? 0,5 fois 1 au carré, donc 1 au carré c'est 1, donc on va avoir 0,5 moins 2 qui est égal à moins 1,5. On voit bien que f de 0, c'est pas égal à 1,5, mais c'est égal à moins 1,5. Donc le point A n'appartient pas à notre fonction. Voilà. On a déjà répondu à une question qui va venir plus tard, c'est f de 0. Bon, en fait ici, on calcule juste l'image des points qu'on a déjà. Donc f de 0, ça va être moins 1,5. Voilà. Next. On va déterminer si le point B appartient bien à notre fonction. Et donc B c'est 1, 0. Du coup on va vérifier que f de 1 est bien égal à 0. D'accord ? Et donc f de 1 c'est quoi ? F de 1 c'est 0,5 fois 1 plus 1 au carré moins 2. 1 plus 1 c'est 2, au carré c'est 4. 0,5 fois 4 c'est 2. Du coup on a 2 moins 2 qui est égal à 0. Et donc f de 1 est égal à 0. Et on regarde bien, le point B c'est 1, 0, et donc on a bien f de 1 qui est égal à 0. Le point B appartient bien à notre fonction. Voilà. Maintenant on va déterminer si le point C appartient bien à la fonction. Le point C c'est quoi? Le point C c'est 2, 2. D'accord? Donc on va déterminer si f de 2 est égal à 2. Et donc f de 2 c'est quoi? F de 2 c'est 0,5 fois, et donc 2 plus 1 au carré, moins 2. 2 plus 1 au carré, c'est quoi? C'est 3. 2 plus 1 c'est 3, au carré c'est 9. Du coup on a 0,5 fois 9, ce qui nous fait 4,5, moins 2, qui est égal à 2,5. Et donc, f de 2 n'est pas égal à 2, mais à 2,5. Ça veut dire que le point C n'appartient pas non plus à notre fonction. Voilà, donc après il y a encore 3 points à vérifier. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à le faire de vous-même. Okay? Je ne vous mets pas les réponses, mais je vous fais confiance. Parce que je n'ai pas envie de le faire, tout simplement. Donc voilà, après, exercice 2. On va déterminer l'image des points donc 0, moins 1 et racine de 2. Donc on doit tout simplement calculer f de moins 1 et f de racine de 2. F de 0, on vient de le faire. Et donc f de moins 1, on calcule. F de moins 1, c'est égal à 0,5 fois, et donc, moins 1 plus 1 au carré moins 2. Moins 1 plus 1, c'est 0, au carré 0. Donc, on a 0,5 fois 0, c'est 0. Donc, F de moins 1, c'est moins 2. F de moins 1, moins 2. Voilà. Et puis, on doit calculer F de racine de 2. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi ? F de racine de 2. D'accord ? C'est égal à 0,5 fois la racine de 2 plus 1 au carré, moins 2. Donc en fait, on a un produit remarquable ici. Racine de 2 plus 1 au carré, c'est quoi? C'est la racine de 2 au carré, plus 2ab, et donc racine de 2 fois 1, ça me fait racine de 2, donc 2 racines de 2, plus 1 au carré, 1. Le tout fois 0,5, moins 2. L'intérieur, racine de 2 au carré, c'est 2. 2 plus 1, 3, plus 2 racines de 2, j'ai 3 plus 2 racines de 2. Tout ceci fois 0,5, moins 2. D'accord ? Et donc, fois 0,5, on a... On va faire une distributivité ici. Hein. On va avoir 1,5, plus... Et donc, 0,5 fois 2 racines de 2. 0,5, faire fois 0,5, c'est divisé par 2. Donc si je fais 2 racines de 2 divisé par 2, j'obtiens racine de 2
moins 2. Et donc, on a comme réponse 1,5 moins 2 plus racine de 2. Ça nous fait moins 0,5 plus racine de 2, ce qui nous fait à peu près... je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Je dirais 0,9... 1, 2, enfin voilà, bref, des nombres comme ça. Voilà. Ou alors on peut tout simplement réécrire ici au lieu de calculer. Bon, ça vous faites à la calculette, mais vous pouvez réécrire racine de 2 moins 0,5. J'ai juste switché ici. Bon, ben voilà. Bon, merci de votre attention, encore une fois. Et vérifiez ces points-là. Et soit je les ferai dans une vidéo ultérieurement, soit vous me les envoyez et je vous dis si c'est juste ou pas. D'accord ? Ou alors, vous vérifiez la calculette, mais il n'y a pas besoin ici. C'est que des bêtes nombres. Voilà, voilà.